Alors, salut les amis, aujourd'hui on va parler de comment faire son miniature dans 5 minutes. Oui, c'est possible, dans 5 minutes, vous pouvez faire votre miniature, c'est possible. Alors, sans plus tarder, on va voir comment moi je fais, dans 5 minutes, je fais mon miniature. Alors, moi j'utilise Adobe Express. ExpressAdobe.com. Oui, c'est le website que moi j'utilise pour faire mon miniature. Donc, tout d'abord, il faut vous connecter. Vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Facebook, votre compte Google, c'est-à-dire Gmail, et ou s'enregistrer via Adobe. Donc, c'est comme ça. Alors, une fois connecté, vous tapez juste, voilà, miniature YouTube. Patientez. Alors là, vous avez pas mal de miniatures, malgré qu'il y a ça, c'est payant. Payant, donc bon. Si vous sélectionnez, vous demande créer à partir de ces modèles. Oui, donc voilà. Alors, patientez. Bon, vous avez la possibilité même de faire de photos de couverture pour vos pages Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, il y a pas mal de réseaux, hein. Il y a pas mal. Donc, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est déjà, il y a déjà la taille déjà enregistrée par défaut. Donc, Adobe vous facilite la tâche. Vous n'avez pas à vous demander est-ce que l'image doit avoir quelle taille, le 8-diff ou le 8 doit avoir, par exemple, combien de pixels. Donc, c'est pas important. Donc, c'est déjà intégré ou ajouté. Donc, voilà. Ok, je vais prendre ça. Devenir. Devenez un très bon community manager. Community manager. C'est déjà magique. Donc, community manager. Avec le nouveau outil. Donc voilà. Devenez un très bon community manager avec le nouveau outil. Est-ce que je peux agrandir encore? Ouais. Voilà. Hola. On va agrandir. Alors, on fait comment ça? Ça, c'est pas important. Je supprime. Voilà. Alors. Déplacer. Attendez.
crois que là, c'est bien. Alors, non, non. Attends. Oh là là. Bon, en fait, je vais changer la couleur. On laisse comme ça. On va voir avec l'image. On place. On va écrire committee. Bon, l'avantage aussi avec Adobe, Express Adobe, il y a les images déjà intégrées. C'est pas important d'uploader les images. Donc, c'est déjà intégré. Community Manager. Voilà, on cherche. Alors, je crois que ça, c'est bon. Ça. Voilà, donc ça c'est joli, hein? Ça c'est joli, c'est pas mal. Voilà, donc là moi j'ai terminé ma miniature. Ok, c'est fini. On va voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Non, non, hein? Donc voilà. Je crois que c'est fini, hein? C'est fini. Devenez un très bon community manager avec les outils, avec le nouveau outil. Voilà. Donc c'est bon. C'est bon. Alors. Est-ce qu'on peut ajouter, s'abonner? Pas mal, hein? Pas mal. Voilà. Rajouter s'abonner. Image s'abonner. Avec les tests. Il faut, je crois pas qu'il va. Bon, on va actualiser. Il nous a demandé d'actualiser. On va patienter un peu. Bon, là, c'est parce que je vous apprends comment utiliser, comment vous pouvez utiliser Adobe, Express Adobe. C'est pourquoi j'ai pris un peu du temps. Je vous apprends aussi directement. Donc, voilà. C'est vraiment très facile. C'est très, très, très facile. Voilà. Donc là, je cherche d'abord. Bon, attends. On va d'abord. On cherche d'abord l'image. YouTube. On va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? P1. Attends, on met logo. Logo.
Payant, payant, payant. Payant. Payant, c'est presque payant. Alors, si c'est payant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous allez sur Google, logo, YouTube. Voilà. Alors, là, je vais faire le choix. Ou bien, je cherche quelque chose. Abonnez-vous, hein. Je cherche déjà quelque chose comme ça pour éviter de trop abonner. Abonnez-vous. Alors, abonnez-vous YouTube, oui. Cherche. Bon, pas mal, hein. Je prends par exemple ça. Ça semble facile la tâche. Je crois que c'est PNG. Voilà. C'est PNG. Enregistrer l'image. Voilà, je télécharge. Alors, là, je rentre au niveau d'Adobe. Transfert. Et c'est pas téléchargé. C'est pas téléchargé. Conserver. Voilà. Alors. Il est là. Voilà. Patientez. Voilà. Il est là. Donc, ça, qu'est-ce que je fais? J'ai juste réduit un peu. Voilà. Et je mets juste là au coin. Oh non, non, mais c'est pas. Ah non, pas s'abonner. Abonnez-vous quand même. Pas s'abonner. Pas s'abonner. Ok, quelque chose, abonnez-vous. Be nice, be joli. Je crois que ça pas mal, hein. Pas mal, ça. Pas mal. Attends. On va prendre ça. On va prendre ça. Ah, pas mal, je crois que c'est du PNG. C'est pas du PNG. Ah, c'est pas PNG en fait. Non, attendez. J'écris PNG. C'est plus pratique. Voilà ça. Je dis pourquoi ça. Donc, je crois que c'est PNG. Hein. Bon, on va prendre par exemple ça. On enregistre. Voilà. On rentre au niveau d'Adobe. Bon, je supprime ça. Supprime. Voilà. Il est parti. Transfert. Alors là, je pense. Ah non! Ah, c'est pas possible. Désolé. Oh là là. C'est pas possible. Bon. On supprime. Désolé. On prend ça. Voilà. Ok, ça c'est bon, c'est PNG. C'est bon. Voilà. Réduire, réduire, réduire. Voilà. Je crois que c'est plus nice. Voilà. C'est bon. C'est bon. Pas mal. Voilà. Pas mal.
Alors, c'est bon, on télécharge. Et là, je clique télécharger. Mais dit PNG, oui, j'ai dit PNG. Comment c'est? Et il dit court. Non, je dis transparent. Voilà. Voilà. Là, j'ai le miniature. On va voir qu'est-ce que ça donne. Tadam, 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 tadam. Ah là, ça c'est bon. Non, 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 non. Ah, voilà pourquoi il m'a posé la question. Ah, transparent. Donc là, il y a le background qui a disparu. Non, 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 non. Pas comme ça. Non. Voilà. On recommence. Oui. Avec la couleur. On va voir maintenant. Tadam. Qu'est-ce que ça donne? Ah, voilà. Ça c'est bon, ça. Voilà. Ça, c'est bon. Nice. OK. Là, on va voir. On va maintenant uploader une vidéo pour voir. Est-ce que la taille est bien réglée et automatiquement? Est-ce que. On va voir. C'est où la chaîne? La chaîne est là. Contenu. Je crois que le vidéo est là. Non, non. On commence. Donc, voilà. C'est ça. Alors, mettre une vidéo en ligne. Patientez. C'est quoi? Voilà. Alors, on clique ainsi. On va sur document. Vidéo. Manager. Et voilà. Alors, je vais prendre le titre à partir d'ici. Voilà. Alors, on va voir, on va décrire un peu. Bon, là, on va décrire un peu. Voilà.
Voilà. Gestion de la présence d'une marque ou une organisation sur le réseau, et autres espaces communautaires. Voilà. OK. Alors là, voilà, miniature, regardez. On ajoute. C'est où? Téléchargement. Il est là. Voilà, ça c'est bon ça. Donc voilà, c'est ici que qu'on termine avec notre tutoriel. Et surtout, surtout, abonnez-vous. Parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes ici. Bon, quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.